La délégation de Mayotte, représentante des centres communaux d'action sociale, est venue à Métropole, et spécialement nous, moi, la commune directrice, commune de CAS, commune de Bandélé. Je suis venue chercher de la matière, matière de mise en place de ces CAS. Notre structure est toute jeune, toute nouvelle. Elle est en phase de construction, tant dans sa mise en place, son fonctionnement, son ABS, analyse des besoins sociaux qui est en cours. Donc pour nous, c'est une occasion et une chance surtout de venir voir ce qui se fait ici au niveau de la métropole, au niveau de la théorie, de la mise en place au niveau de la loi, mais aussi ce qu'on peut apporter sur le terrain. Comme en termes de réponse aux besoins de la population et notamment de ce qui va ressortir de l'analyse des besoins ABS. La formation est organisée en différentes parties, notamment une partie théorique pour nous apporter tout ce qui est texte juridique, loi en matière de mise en place des structures comme la nôtre, les CCAS. On continue par les immersions, ce qui est une très très bonne chose. Et on n'a pas l'occasion de le faire souvent parce que ça nous permet vraiment d'entrer dans le cœur de l'action et de voir des structures fonctionnelles qui nous permettent vraiment de capter le sens même de ce que c'est un CCAS sur le terrain et auquel cas de se poser des questions sur ce qui est de la politique sociale en général sur le territoire de Mayotte et nous, comment au niveau territorial communal, on peut répondre à des besoins de notre population, toujours dans un intérêt public. On va finir par une autre phase qui se fera à l'UNCAS, l'Union nationale des CCAS, ici à Paris. Mais le point le plus essentiel qui nous intéresse, et notamment moi, c'est vraiment l'immersion pendant 2 jours, d'être en contact direct avec des professionnels techniciens d'un centre communal d'action sociale ici en métropole. Et ça, c'est une chance et une occasion à saisir. Ça serait un service au plus près de la population qui est dans le besoin. Il y a le CESAD, Service de soins et d'infirmiers à domicile, notamment aussi un établissement médical avec plusieurs professionnels médico-sociaux à proximité de la population. Ça, c'est quelque chose qui en manque à Mayotte. Parce que même si aujourd'hui on a les médecins libéraux à proximité, on a les infirmiers, on a des structures, on sent qu'il y a un réel besoin. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut apporter à la population vraiment au plus près. Maintenant, les situations ne manquent pas, les besoins ne manquent pas. Mais dans l'immédiat, ce sont des services qu'il faut tout de suite penser et apporter à tous. Et au regard de la démographie à Mayotte, on a toujours une représentation de plus de jeunes que des personnes âgées et d'autres tranches d'âge. Aussi, travailler l'insertion professionnelle de nos jeunes, comment les accompagner dans ce cadre. Donc, réfléchir à des dispositifs de proximité avec les acteurs locaux, Pôle emploi, la mission locale, la CRIJ, toutes ces structures, comment travailler ensemble, mais vraiment au niveau local, territorial, pour répondre aux demandes des jeunes.